ça se passe, ça pour le moins que t'entends. Qu'est-ce qui se passe, fallait pas faire ça. R.E.P. Notorious Big. Amérique Nord, t'entends? Hugo Boss, t'entends? Kini Modé, Hugo Boss. Bande de petites putes, ça se passe. Ça va venir, le Roi Enoch va conquérir ce monde, t'entends? Ce rageux. Here we go. I said all you Ça va devenir vrai dans cette putain de pièce pour quelques instants, mais gros, t'entends? Ben, je passe, why not? Allez, crache plus sur Paris. Allez, Nico. Je t'aime. Je disais tout à l'heure, maintenant, on va passer à un concept qui est propre à notre émission. Ok. Qui est propre à 95, c'est le si j'étais. C'est pour apprendre un peu plus sur l'artiste qu'on a perdu. Donc on va commencer en te demandant si tu étais, si le roi Enoch était une rime. Une rime? Si le roi Enoch était une rime, je ne comprends pas ton concept, mon frère. Une rime. Une phase. Ça serait cool. Je peux pas dire plus si le roi Enoch. Ok, tu me demandes si le roi Enoch a une rime. Si tu étais une rime. Une rime qui t'a marqué. Qui t'a marqué dans le rap. Même de toi-même. Même de toi. Tout symbole qui te reflète. Qui t'a marqué dans le rap. Je réfléchis. Prodigy qui dit que. Le truc qu'il dit là que. The sun, que ça brûle la peau. C'est bien. Ouais, comme. La donne de cancer là. Ouais. Ouais, il dit comme ça que qu'il n'est pas raciste, qu'il n'a rien contre les blancs, qu'il travaille avec des blancs, il n'a pas le choix, il travaille avec des juifs. Et que les blancs, la différence c'est qu'ils ont le cancer de la peau quand ils sont exposés au soleil. Tandis que nous, que ce soit moi, un nègre à cheveux plats ou un négro ici, et nous on a un teint. On ne brûle pas, on ne crame pas quoi. Ouais, et le mec dit que il te brûle comme le soleil brûle. La peau des crackers, des blancs. Tu comprends? C'est des rimes, mais en même temps, ça veut dire tellement de choses. On a toujours respecté son taf. Tu vois? Parce que la science qu'il fait dans son rap a une puissance qui est au-delà de la vie même. Donc, tu vois, le même truc pour moi. Lorsque je vous dis que j'abandonne la vie matérialiste et le matériel pour encore plus. Tu vois, une petite phrase simple, mais la démence dans le truc fait peur aux radios. Ils sont là, mais il n'y a même pas de crack, il n'y a pas de truc, parce qu'ils m'ont dit qu'il y a des trucs qui sont crus, mais juste pour te dire la force. Des paroles. Ouais, tu vois, frère. Et si le roi était une instru, qu'est-ce qu'il aurait été? Une instru? Les beats de avec, s'en fout, ça. Avec, alors c'est le mec que j'aime le plus comme mec de son roi. Ouais. Est-ce qu'il y a une instru particulière de rock qui a marqué le roi? Je les aime tous. Je les aime. Si le roi était un morceau. Je sais pas, un mec. Barry White peut-être. Mais quel morceau? Par exemple. Ah, lui il y en a trop. Je préfère le plus comme musicien. En plus, il repose en paix. R.E.P. Barry White. Repose en paix, négro. Ça se passe. Et si tu tiens un album? Un album? Ouais, un album. Un album. J'aimais bien Only Built for Cuban Links. Le Raekwon, le chef, c'était ouf. Ça me donnait... J'ai augmenté les ventes. En écoutant cet album, je suis passé de l'once au kilo tout de suite. Tellement c'est chaud. Et si on aurait été un artiste, Barry White, c'est ça? Non, je suis un artiste. Je serais un artiste. Je serais le pape Benoît XVI.
Ouais. C'est chaud, ouais, ça c'est chaud, ça c'est chaud. C'est why not? Tap. On a fait une spéciale pour toi, juste pour toi, le CGT, spécial Roi Inoc. Voilà. Si le roi était un rappeur français, quel serait-il? Quel serait-il? En ce moment, j'aimerais bien être. C'est dur, là. Ça va donner du crédit, là. Surfio, Surfio, la famille, Molotov, Molotov, Surfio. Si le roi était un président. Un homme politique. George Bush. Ouais, ouais. Il est chaud. Okay. Cinglé, il est chaud. Et il passe, je comprends bien. Comment qu'un mec comme ça passe, ça veut dire qu'il est chaud. Et si le roi était une arme? Une arme. Lance-roquette. Ouais. Car tout brûle quand c'est déclenché. Ouais, ou un lance-flamme, tu vois. Si le roi était une boisson. Un champagne. Un champagne de luxe. Quelque chose de doux. Tu vois. Mais qui te saoule. Ok. Et si le roi était une garine? Moi j'ai un coup de sport. Une Lamborghini, une Diabolo 9. Avec des 19 pouces de jambes, ça m'intéresserait. Bon, ouais, ça. Et si le roi était une plante? Une plante? Putain. Chaud, c'est une plante. Chaud. J'aime l'hydro, mais je ne pas ça. Il y a trop de trucs dedans. Trop. Il te caresse trop. Une rose à épines. Hein? Mon ami l'escadrille, une rose à épines. Et une petite question qu'on n'avait pas prévue mais qui me vient tout de suite, parce que en ce moment c'est, tu sais, c'est l'euro de foot. En ce moment, si t'étais une équipe de foot? Je suis pas à fond dans le foot, je connais pas vraiment le foot. Non, tu pourrais dire un sport que j'aime. Allez. J'aime la boxe. J'aime Michael Tyson de 19 ans à 25 ans, ce que j'adore. Je recule ces, les trucs sur les YouTube et je regarde. Et la façon qu'il foutait la frousse à son adversaire, avant même de dire quoi que ce soit, ce style d'impact et de traumatisme vu à sa négritude et sa façon sauvage d'être un tueur, me intéressait à fond, me fascine jusque maintenant, quoi. Ah, merci le roi Inoc pour ça se passe à fond, mon frère, ça se passe sur le roi. Sur le 9-5. Merci à vous, gentlemen. Merci à vous, enfin, une équipe de négros professionnels qui sont renseignés, frère. C'est chaud, ça. Il y a de l'amour dans le 9-5, t'entends? La cocaïne rap, musique. La nouvelle mère fraîche, négro. La nouvelle mère fraîche, négro. Prends ça, prends la caisse. Où sont mes voyous? Où sont mes caïras? Où sont mes rebeux? Où sont mes braqueurs? On est les meilleurs. Eh oui, on est les vainqueurs. Oh oui, ces rappeurs sont des rêveurs. Ah oui, ces amateurs sont des imitateurs. Ah oui, ils ont rien sur nous, gangsters et gentlemen. Oh, puissant comme Michael Tyson, âgé de 21 ans, c'est comme si je remontais longtemps. L'hiver est long, il y a moins en deux printemps, rarement d'été. J'assure à l'année, pas seulement de temps en temps. Pour ma gonzesse, une CL500, imagine toi mon choix. Étant donné l'heure 2010, un grand changement. Un grand changement, why not? J'abandonne la vie matérialiste et le matériel. Pour encore plus, vise beaucoup plus de performance que Lexus, haut de gamme et grand luxe. Mais sinus, sans bloquer de poudre blanche, quoi. L'officiel, le criminel.
La CL, ce négro du Queens va en appel pour régulariser tout cartel, bagatelle. Des gangsters, mensonges, pédéateurs en lignée, de tous rendant le peur, malheur. Point une autre leur, juste suisse, primeur, petit branleur, pas de cœur, comme bon zélateur. En plus, menteur, pensez, copier le moins de temps. Croyant enquêteur, sergent directeur, tu bénéficies du crime. Pense aussi au temps, ramasse ton argent, marchant comme connaisseur. Retourne au banc de classe, écoute le professeur étudiant. Toujours aussi dangereux, Hugo le patron, vient mettre à jour votre rap nébuleux. Je suis invincible, vous ne pouvez rien contre moi, bande de morveux. J'assure des rimes à profusion, je n'accepte aucun pardon. Votre rap est une abomination horrible, tandis que le patron vous amène une réalité terrible. Trop difficile à supporter, qu'un Pérouvien vienne s'approprier cette industrie du rap. Je mets le cap vers le succès, mes intérêts augmentent à vue d'œil. Impossible de fermer mon portefeuille, comptant sur mes modalités de paiement. L'important pour moi, c'est de ne plus vivre comme avant. La pauvreté mettait en hausse mon immoralité. La criminalité est dorénavant implantée dans mes pensées. Cette société rend mon incompatibilité évidente. Le fédéral me prend pour un chacal, il pense que je plaisante. Je suis le prédateur par excellence. Mon apparence est de plus imposante. Mon clan et moi ne nous contentons pas le restant. Nous sommes les premiers à agir et à réagir. Mon saphir brille comme un arc-en-ciel. Je suis un rebelle, un criminel, le premier ordre. Je crée chaos et désordre sur toute surface, peu importe. On est les meilleurs, et oui, on est des vainqueurs, et oui, ces rappeurs sont des rêveurs, ah oui, ces amateurs sont des imitateurs, ah oui, ils ont rien sur nous, gangsters et gentlemen. Où sont mes voyous? Où sont mes caïras? Où sont mes rebeux? Où sont mes braqueurs? Tu vois ce qui se passe, cocaïne rap musique, mon frère. Hein? Sur Hot 95 FM. Ça se passe aussi www.hot95.fr. Tu restes branché dans ces banlieues, hein? Dans ces HLM, vous savez ce qui se passe. Hein? C'est putain de chaud ce truc. On va baisser le son, t'entends? Et laisser mes acolytes vous dire quelques putains de mots. Salutations à tous les auditeurs de Hot 95 FM, le collectif Gangster et Gentleman avec vous. Suivez Hot 95 FM pour plus de nouveautés. La cocaïne rap musique en bac aussi, hein? La famille, vous téléchargez tout ce que je fais. Pour une fois, je vous demande de l'acheter, t'entends? Supportez cette merde. Le juge a saisi mon zeil. Ça me prend votre support, sinon je suis mort. Et voilà, vous aimez le roi, vous dites libérer le roi. Ça me prend cette putain de zeil. Fnac, Virgin, consommez pour une fois. Laisse-leur savoir, le roi. Ça se passe, mon frère. Hot 95 FM. Hot 95 FM. Hot. T'entends ce qui se passe? Hot. Sur 95 FM. C'est ça, chaud, chaud, pas plus que ça. Chaud, chaud. Chaud 9-5. Chaud 9-5, mon frère. Hein? Tu vois ce qui se passe? Ouais, négro. Reste aux études, mon jeune. La connaissance, c'est le pouvoir, mon frère. T'entends, négro? Sarkozy, c'est le bac, mon frère. Et une équipe de baveux de haut de gamme. T'entends ce qui se passe? Yeah. Oh. I dedicate this song to everybody that lost a loved one and like wish you could bring them back. One minute, you know what I mean? Sometimes. If I could bring my mama back, it'd be like, yo. Yo, yo, picture me rolling. Mama riding shotgun, four shot Glock one, and the panties Lamborghini top cut like a low fade. And it's no shade, low wave, sunshine like a California day. Watch me as I shine with the pussy I came out.